Oh là ! Allez, bonne année 2020 ! Ça y est, nous sommes en 2020. Une excellente année à vous. Mes meilleurs voeux, bonne santé, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo après un bon mois et quelques temps en vidéo. Je suis désolé. Ceux qui le savent, je travaille du coup dans le commerce chez Cultura et le mois de décembre, c'est juste... c'est n'importe quoi. Bon, malgré tout, je cumule à l'heure actuelle plus de 55 heures de repos à poser... ça va faire du bien. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2020. Qui dit 8 janvier dit les soldes. Et je vous garantis que j'en ai profité. Je vais vous montrer tout ça, j'ai fait des affaires perfecto. Avant de vous montrer tout ça et avant que la vidéo elle commence, j'avais relevé un petit commentaire il y a quelques temps, j'ai pas réussi à le retrouver, je suis désolé, sur une vidéo dans laquelle je présentais une batterie externe. C'était une batterie de 20 000 mAh qui était à alentours de 50 €, je crois. Et on m'a dit dans les commentaires, frère, j'ai trouvé une batterie de 25 000 mAh à 40 €, qu'est-ce que tu vas faire? Ta vidéo, elle est craquée au sol. Eh bien, qu'à cela ne tienne à cette personne, putain, l'expression saut 2019, lol, j'ai trouvé une petite batterie externe à 40 €, il y a même un 5 € de coupon quand vous cochez la case sur Amazon, une batterie de 26 800 ampères. Alors, on va relever le défi ou on va pas relever le défi? Alors je vous montre rapidement la bestiole avant de commencer la vidéo. C'est pas vraiment un placement de produit, on m'a envoyé cette batterie gratuitement. Je n'ai pas été payé ni rien pour vous montrer tout ça. Hop, on va ouvrir tout ça, tac tac. Alors je l'ai déjà ouverte. Il y avait la petite pochette de protection. Nous avons tout plein de câbles. Donc on a un câble micro USB, un câble USB-C, un câble Lightning. On a un adaptateur ici, Lightning aussi, qui va pouvoir se mettre dessus. Et nous avons la fameuse batterie, la voici, qui n'est pas si énorme que ça en fait. Bon, c'est une batterie qui est quand même assez conséquente, mais si on le met à côté de mon téléphone, en vrai, voilà, ça passe. Alors je remercie vraiment toutes les personnes qui travaillent sur la conception de ces produits. Pourquoi? Vous le verrez peut-être pas, mais le toucher, on est sur un soft skin, là, vous savez, l'espèce de plastique tout doux, là. C'est vraiment, mais... tellement agréable. Bon, ça laisse des traces de doigts, mais c'est juste trop bien. Bon, il y a tous les emplacements, hein, les USB 3.0, le micro USB, l'USB-C, le Lightning, il y a tout ce qu'il faut. 26 800 mAh, de quoi recharger votre téléphone un bon paquet de fois. Si ça vous intéresse, le lien en première ligne de description sur Amazon, c'est 40 balles, c'est cadeau, c'est pour les soldes, voilà. Alors sur ce long ticket, il est marqué en bas que j'ai économisé, attention, pour un avantage à 90%, parce que oui, il y avait des soldes à 90%, j'ai économisé 278,10 €. Pour les soldes à 70%, j'ai économisé 49,54 €. Pour des soldes à 20%, j'ai économisé 5,67 €. Et pour des soldes à 10%, j'ai économisé 1,50 €. Ce qui fait du 350 balles, pratiquement 350 € d'économie sur tout ça. Donc là, j'en ai eu pour moi 90,16 €. Donc on est sur du plus de 450 € de produits. Eh ? J'ai payé 90 €. Pas beau ça ? Alors, il y a forcément, il y a beaucoup de choses. Hop, je vais tout vous montrer. Il y a beaucoup de jeux vidéo, c'est un spoil. Donc tout ça se trouve chez Cultura, n'est-ce pas? On commence le premier de la boîte. Nous avons le Astérix et Obélix XXL 2. Donc ce n'est pas le 3 qui vient de sortir, c'est le 2 à moins 90%. Donc il était au prix ici de 25 €, donc je l'ai payé 2,50 €. Donc je l'ai pris parce que c'était la version collector un petit peu du jeu. Donc je trouvais ça sympa. Donc on a ici, hop, des papiers dedans. Nous avons ici le jeu version PlayStation 4. Et nous avons des figurines de Astérix et Obélix et même Idéfix. Voilà. Nous avons ensuite, alors là c'était marrant, un petit Gutedama, une petite peluche de Gutedama. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Deux petites peluches de Gutedama. Il y en a une qui ira sur la voiture et une qui ira dans l'appartement. Ici on est à 90% de réduction. Je crois que ça a coûté 6 €, donc j'ai payé 60 centimes unité. Ces petites peluches là, des Gutedama, vous savez, ces petits jeunes d'œufs, trucs japonais là. Voilà, je trouvais ça mignon. Nous avons ensuite un casque SteelSeries.
Donc c'est pas le meilleur des casques, hein, c'est le Siberia 100. C'est un casque d'une valeur de 40 euros à moins 90% sur celui-ci également, que j'ai payé 4 euros. 4 euros un petit casque gaming SteelSeries. Écoutez, ça pourra faire le taf, hein. Très franchement, on va le sortir de sa boîte directement. Tac, 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 pas pour niaiser. Voici le petit casque SteelSeries propre qui englobe bien les oreilles. Écoutez, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais pour 4 euros, on va pas s'en priver. Alors nous avons ensuite, tac tac tac, bon, des petits mangas, hein, là il n'y a pas vraiment de promo dessus, c'est juste mes petits achats du jour. Donc il y a moi quand je me réincarne en slime, le tome 10 qui vient juste de sortir. Et nous avons sur les conseils de Audrey de Zamanat Gaming. Je vous invite à aller la follow si vous voulez sur Twitter, je vous mets le lien en description, c'est Zamanat Gaming, Zamanat sur... sur Twitter, elle est grande fan de Pokémon, elle poste tout le temps des trucs. Elle m'a dit que c'était bien, alors j'ai acheté sous ses recommandations. Le manga Beastar, voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes pour voir un petit peu ce que ça donne. Dites-moi si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en pensez. Bon, écoutez, je j'ai jamais lu, ça m'a jamais vraiment attiré au visuel. Mais bon, bah écoutez, c'est l'occasion de découvrir un nouveau manga. Hein, ça va rentrer dans la collection. Je sais pas où je vais le foutre, hein. Alors là, il y avait une petite promo à Cultura, du coup, c'est pas marqué sur le ticket de caisse, parce que en caisse, ça passe à 15 euros, parce qu'il y a une promotion pour les soldes, donc il n'y a pas marqué qu'il y a de réduction, mais il y a bien une réduction de 5 euros sur un Blu-ray de Totoro, voilà, qui normalement est à 20 euros, et qui passe en ce moment, pour une durée de quelques semaines, à 15 euros, donc on a gagné 5 euros sur un Blu-ray Ghibli, donc de Totoro. Et là, on passe aux jeux vidéo. Et il y a encore de quoi, je vous garantis. Alors, on va commencer par les jeux de DS. J'ai pris le Bravely Second. Très, très, très bon jeu sur DS. C'est un RPG un petit peu à l'ancienne, mais bien, bien, bien stylé. J'en ai vu énormément de vidéos. Je ne l'ai jamais fait. Ben écoutez, il était à 70% de réduction sur une valeur de... Je crois qu'il valait 40 euros encore le jeu. Je ne sais plus exactement combien j'ai eu de réduction, mais bon, du coup, ça, c'est une bonne trouvaille. Nous avons également, ne rigolez pas s'il vous plaît, Yo-Kai Watch, l'escadron du chien blanc. Je sais même pas si je vais ouvrir ce jeu. Le seul truc, c'est que j'ai tous les autres Yo-Kai Watch. J'ai le 1, j'ai le 2 dans les 3 versions, parce qu'il y a 3 versions, et j'ai le Yo-Kai Watch 3. J'attends grandement les Yo-Kai Watch 4 sur Switch en France. Et du coup, j'avais pas celui-ci. Je sais qu'il y a une autre version aussi, l'escadron du chat rouge, je crois. Là, c'est chien blanc. Bah écoutez, moins 70%, je crois qu'il était aussi à 40 euros. Donc du coup, c'est bien, ça rentre dans la collecte. Voilà. Et maintenant, on passe sur les jeux de PS4. Il y en a un petit peu. Allez, le premier, c'est Lost Fear. C'était un RPG, hein, également, que je n'ai jamais fait. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je ne sais absolument pas ce qu'il vaut, si c'est un jeu qui va me plaire sur PS4. Mais il était à moins 90%, comme vous le voyez, de 35 euros. Ce qui fait un jeu à 3,50 euros. Que demande le peuple? Nous avons ensuite Conan Exile. J'en ai vu quelques streams, ça m'avait bien fait rigoler. C'est un espèce de survival, un peu en mode arc, mais sans les dinosaures, avec de la construction, etc. Bon, écoutez, je sais pas ce que ça donnera, mais bon, tous les jeux que vous voyez là seront du coup susceptibles d'être faits en stream. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Mais bon, il était à moins 90% de 35 euros là aussi. On est sur du 3,50€, c'est plutôt cool, j'ai des mangas qui se cassent la gueule. Nous avons ensuite le très bon Resident Evil Revelation. Donc c'est pas Resident Evil 7, hein, c'est un jeu qui est sorti entre, c'est un jeu très typé action. Voilà, que j'ai jamais fait et qui me tente grandement, que je ferai également. Peut-être en stream, il était lui à moins 90% de, je crois, d'une trentaine d'euros, je sais plus. Donc du coup, ça nous fait un jeu à, bah, 3€. Nous avons ensuite, alors, un jeu que j'ai déjà sur la Play, un jeu que j'ai déjà fait, que j'ai énormément apprécié. C'était un jeu que j'avais également fait sur PS3 à l'époque. Ce jeu, je l'ai mis en démat. Et bah, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, on va essayer de choper la boîte. The Last of Us. Il y a The Last of Us Part 2 qui sort très très prochainement. Et bah voilà, il était à moins 90% sur un jeu qui était ici à 39,99€. Donc ça nous fait du 4€.
la version boîte de The Last of Us. Celui-ci, il reste dans son blister. Voilà, c'est juste pour l'avoir encore une fois dans la collecte. On a ici Metal Gear Survive. Alors c'est un des rares Metal Gear que je n'ai pas fait. Il m'a pas énormément attiré. Je vous avoue, sur les gameplays que j'ai vus, etc. Pour moi, c'était pas du Metal Gear. Il y a un pack de DLC qui est inclus. Il était à moins 90% sur un jeu qui passait à 40€. Ça nous fait 4€ le Metal Gear. Écoutez, ce sera l'occasion de pouvoir le tester. Et encore une fois, peut-être de pouvoir le tester en stream. Qui sait ? Nous avons... Alors là, un jeu, je pensais pas acheter. Mais très sincèrement, vu le prix, je me suis laissé tenter. C'est le jeu Mega Drive Classics. Donc sur PS4. Qui est un jeu qui revisite, je crois, plus de 50 jeux Mega Drive, je crois, c'est ça. Et il y a un jeu, je vais pas regarder s'il y était, il y est, je le voulais pour ça, le jeu Sonic Spinball. Vous allez me dire, c'est nul, mais c'est un jeu que j'ai énormément fait sur Mega Drive quand j'étais petit, c'était un jeu de flipper avec Sonic. Et donc du coup, bah là, 2,99€, hein, 90% de 20,99€, donc 2€. Bah voilà, donc ce sera l'occasion de faire des jeux de la Mega Drive, de pouvoir rejouer à ce Sonic du coup sur ma Play 4. Donc je me suis laissé tenter. 2 balles. Oh. Nous avons ensuite un jeu, alors une série de jeux, parce que là il y a même 2 jeux pour le prix d'un. Donc je les ai payés 2,50€ les 2 jeux. Il s'agit du remaster de Shenmue 1 et Shenmue 2. Sur PS3. Le Shenmue 3 étant sorti il y a peu, si cette série me plaît, ce sera l'occasion d'acheter le 3. Je me suis jamais penché sur cette série. Je sais que c'est peut-être une erreur, il y a énormément de gens qui aiment cette série. J'ai jamais fait, donc du coup, bah écoutez, ce sera également l'occasion. Puis encore une fois, pour 2,50€, oh ouais. Nous avons ensuite un jeu qui était à 42€, que j'ai donc payé 4,20€, qui s'appelle First of the North Star Lost Paradise. Alors là, comme ça, ça peut rien vous dire, n'est-ce pas? Moi non plus, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je ne sais même pas c'est quel style de jeu. Cependant, sur la boîte, j'ai vu ça. Voilà, nous avons Ken. Kenshiro, du manga Okutonu Ken, avec un truc un petit peu en 3D, là, un petit peu sympathique. J'aime bien. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut comme jeu. Je ne sais pas. J'ai trouvé la boîte stylée. J'ai vu Ken. Bah voilà. J'ai acheté. Achat compulsif pour lui, vraiment. Et on va finir par le jeu. Un jeu qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps. Et ça m'a énormément étonné de le voir dans les stocks chez Cultura. C'est le jeu Vampire. Voilà, je l'ai jamais fait, j'ai vu beaucoup de streams sur ce jeu, il m'avait l'air vraiment très cool. Il était à moins 90% sur un jeu qui est passé, je crois, à 40€. Il y a pas le prix, mais je crois que c'est ça. Donc du coup, ça m'a fait 4€ le jeu. Voilà, lui aussi, je le ferai peut-être en stream. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner en gameplay, mais bah écoutez, je me suis pas privé. Il y avait également beaucoup d'autres jeux, mais que j'ai déjà en boîte à la maison. Il y avait par exemple Dissidia NT, le jeu de combat avec les personnages de Final Fantasy. Il y avait Ni no Kuni 2, très 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 bon JRPG que j'ai énormément apprécié, que j'ai platiné. Après il y avait des jeux un peu moins bons, il y avait Black Ops 4 qui commence à dater un petit peu. Il y avait des jeux Tour de France de vélo, ça m'intéressait pas. Il y avait d'autres jeux que je connaissais pas vraiment. Il y avait, bon, je m'en souviens plus les titres, mais pareil, à moins 90%. Je crois qu'en tout il y avait peut-être une sélection d'une vingtaine de jeux PS4 dans mon magasin, du moins à moins 90%. J'ai pas tout pris non plus parce que, comme je vous ai dit, il y a des jeux que j'ai déjà en boîte. Donc faire le doublon, ça sert à rien. Acheter des jeux en boîte sur des jeux que j'ai en démat pour avoir la boîte, ça peut faire sens pour certains. Pour moi en tout cas, ça le fait. Mais voilà, il y avait énormément de choses. Il y avait aussi énormément de jeux Xbox One. Je n'ai pas la Xbox One, donc du coup je n'ai pas acheté. Il y avait beaucoup trop de jeux. Donc voilà, on est là sur des soldes qui commencent très très bien pour ma part, je suis plutôt content. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, ne partez pas, je vous donne l'information de cette vidéo. Je vais redoubler d'efforts pour pouvoir vous faire des streams, et ce ne sera, je pense, pas sur YouTube. Je pense du coup créer une vraie chaîne Twitch sur laquelle je vais pouvoir stream depuis la PS4, parce que depuis le PC c'est toujours compliqué, il va falloir que je tire des câbles de la Play, j'ai pas d'HDPVR, enfin j'ai de Elgato, on va dire, j'ai un HDPVR mais à l'ancienne, il n'y a pas d'HDMI dessus, donc c'est vrai que c'est compliqué pour stream autrement, par exemple de la Switch je peux pas, etc, c'est dommage. Du coup voilà, je streamerai certainement pas sur Twitch, je vous ferai
évidemment une vidéo dédiée à ça lorsque je le ferai. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Beaucoup de jeux du coup en approche, je suis très content d'agrandir ma collection comme ça, à moindre coût, ça fait très plaisir. Du coup, n'hésitez pas à aller chez Cultura demain, hein, si vous avez le temps et s'il reste des jeux, parce que nous, il y a des mecs qui sont venus avec des caddies qui ont poussé tout ce qu'il y a sur la table. Limite, ils ont retourné la table, ils ont fait « Allez, on prend tout, on va tout revendre à Micromania parce que vous les vendez 3€ et Micromania, ils reprennent 6€. » Voilà, c'était Narco, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !